Donc, ce qui va être vu ici est vraiment une super astuce très très intéressante dans Illustrator. C'est vraiment une astuce qui pourra vous servir. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir que c'est le côté astuce technico-graphique qui est intéressante pour l'utiliser après sur plein de choses, même sur des images que vous vectorisez, des images noir et blanc, des pictogrammes, que vous vectorisez, des choses que vous allez chercher du domaine public sur le web, par exemple. Ça va permettre de faire plein de choses intéressantes. Donc, dans la palette des calques, vous allez pouvoir facilement gérer l'empilement des choses, bien sûr. Palette des calques, on n'a pas créé de calque, par contre, on a un calque qui a, bien sûr, des objets à l'intérieur. Donc, allez chercher la palette des calques et déployez le calque. Voilà. Alors, l'idée, ce serait peut-être de faire passer les triangles en dessous des lettres. Ok, bon. Je veux dire que ça, c'est bon pour moi. Ceci dit, bon, on peut encore manipuler les choses, les agrandir, les tourner, changer la police de caractère, faire plein de choses, quoi.